Stay hydrated, kid. Parce que le beau-frère a le pipi gêné. Ça goûte les couilles à Frank. Ça fait la plus chaude que j'ai dans ta vie. Hey yo, what's up gang? C'est votre asiatique préféré, GN Tits, sur la chaîne de Dripper Nation. Pis je sais à la maison que tu te demandes, pourquoi c'est GNT qui fait l'intro à place de Drip Papa? Ben c'est parce que gang, c'est le temps de vous annoncer que Frank est tombé malade. Il a pogné une maladie qui s'appelle être un nasty loser! Ok, non. La vraie raison, là, j'ai tellement fucking hâte de recommencer. Puis ça, c'est un beau petit vlog qu'on a fait tout ensemble. C'est un behind the scenes de notre fameuse intro de Patreon qu'on a fait il y a une couple de mois. Puis ça me manque de vous parler pis d'être proche de vous. Puis je savais que nos fans number one vont checker cette vidéo-là sur la chaîne de Dripper Nation. Fait que lâchez un like, lâchez un subscribe. Désolé si moi, personnellement, je sors rien dernièrement. Je suis juste occupé à runner le podcast number one au Québec. Hey, bonne vidéo, mes grands. Chris et Chum, let's fucking go, on se revoit bientôt. On vient faire la scène du beau-frère pour la pub de notre Patreon, mon bébé. Le beau-frère, il vient jouer le bas canadien dans le bois. On va faire un beau petit setup de feu. Jim passe ses shots pour qu'on tourne la scène. Tout plein de ronds de pisse à grandeur, man. La poche tout jaune, tout fini. Je pense que c'est le syndrome du petit bat qui refait ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que je fais un feu tout de suite? Oui. Je le fais où le feu? T'es capable de faire ça un feu, toi? Je suis l'expert des feux. J'ai été 5 ans dans les scouts, j'ai été chef de citizen. Ça, c'est pas ça, vous connectez le micro. Ah, good job, Frank! C'est un gars de bouffe. C'est un peu le français, il est trop loin pour le feu. Après, je pense que c'est assez. Ah, non, le feu, il sera pas là, il va être un peu plus. Stay hydrated, kid! Ah, Jay, t'en as eu des bonnes idées, mais. Fais de la mouche en tabarnak pendant que ça va me piquer pour te mettre, le gars! Là, je fais un feu de cuisson. C'est pas compliqué, c'est deux bûches de même, deux bûches de même, deux bûches de même, deux bûches de même. Fait que t'allumes ça, ça fait une cheminée de même, puis tu peux mettre ta poêle direct. Mais là, pour le tournage, je fais un feu de cuisson pour que ça fasse le plus haut possible la flore. Ah ouais? 4 ans. Ouais, mon homme! C'est la première fois que je donne des coups de hache de ma vie. Hey, si t'es pris dans le bois avec GNT productif, frère-moi, man. Hey! Hey, mais il me fait peur, man. Bon, là, faut déplacer le feu. Moi, je déplacerai pas ça bûche par bûche. Checker bien le truc. Wow! Une shot à ce moment. Ok, ça, c'est impressionnant. Ça, c'est très impressionnant. Je suis un cueilleur chasseur! C'est quoi ton nom de scout? Siffleux désireux, gars. Le monde me désire parce que je siffle. Le siffleux désiré. T'es-tu prêt à donner la performance de ta vie? Ou... Je suis prêt. Ouais. Je suis dans le personnage, là. Ouais. Je suis un method acteur, fait que là, je suis plus la même personne depuis à peu près une heure et demie. Tu sais, je connais ça. Je suis capable de mettre du gaz dans le feu comme un homme. Ouais. J'ai manié la hache. Ouais. C'est des affaires d'amour. Tu veux? Je bois de la bière, tu sais. J'étais un homme en crise, là. Ok. J'étais un vrai mort. Là, je suis Claude Béja. On va essayer de s'assurer de pas faire un feu de forêt aussi. Ouais. C'est pas peu. C'est bon, là? C'est bon. Ça monte pas! Hey, ça paraît peu. Pas grave. Mais non, mais je m'en fous, j'ai les jambes, tabarnak! T'as dit, elle prend un break! Une seconde, il chauffe, il fait fret. L'autre seconde, il chauffe, il fait chaud. C'est ça, bon, la fièvre, Joe Blow, tabarnak. J'ai fait de la fièvre, puis j'étais un acteur. T'es top, chef. Non, j'ai calé deux bières pendant, fait que là, commence à être chaud d'ail, moi. Il en reste. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Oh. Ouf, le bazar bleu, ça va être assez. Fait que là, on a eu un effondrement du feu de cuisson, fait que je fais un petit remaniement ministériel au niveau du. Ça, c'est un homme. Je suis un cueilleur chasseur. Ouais. Là, je viens de rajouter un nouvel effet spécial. J'ai mis des branches de sapin dans le feu. Ça fait un crépitement. Comme ça, ça va être plus intéressant. On va aller chercher un meilleur son avec le Rode Pro Plus étendu par une perche et tenu par la pioche. Comment tu trouves la job de GNT avec la lumière? Ouais, pour au moins une fois, il fait de quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le shérif qui le gère. D'habitude, il l'envoie chier. Pour moi, là, après une grosse journée de travail, je me débouche une petite frette puis j'écoute le podcast numéro 1 au Québec. Ben comme ça, là, j'ai la calisse de paix.
Bon, là, la scène, c'est Émile qui pisse dans le feu. Faut que je crée un autre effet spécial. Ça, c'est une petite pissette de même parce que le beau-frère a le pipi gêné. Fait qu'il sera pas capable de pisser devant 8 gros mâles. Ça, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui est à l'urinoir à côté de moi, moi, c'est ciao. Faut que ça me prenne une cabine à ce moment-là. Par là, ciao. On fait une petite dernière line qu'on ciao, McDo, madame. Maintenant, je pogne avec les filles d'une tête de plus que moi. On est en train de tourner les scènes à Mamie Diane. Hey, c'est une putain de tuerie, man. C'est vraiment la grand-mère habile pour de vrai. Vous êtes juste des petits bombes qui font des vidéos. Ça, c'est mes deux chicks. Que je me suis ramené hier soir. T'as super bien fait ça. C'est ma grand-mère, ça. C'est ma vraie de vraie biologique, tout, tout, tout. C'est quoi la différence entre la grand-mère à Émile et la mienne? C'est que la mienne est morte. Non. Non? Non, mais là, franchement, la pioche, t'as juste à t'abonner au Patreon. D'un coup. J'ai senti la barbe. Oh, ouais, c'est bien good. Oh, yeah, with Michael Katz. Ça a fait la plus chaude que tu as connue dans ta vie. Non, c'est moi. Je sais pas si tu veux t'en remettre un autre coussin là. Non, pas besoin. Ah! On est peut-être un peu désagréable, mais. Au moins, on est aimable pis attachant. C'est vrai, ça. Bon, on vient de finir de tourner avec. Bon. La belle Olga. Ciao, man. Thanks. Ciao, man. Ça va où? T'es pas déjà tanné, là? Ouais. Ok, gang. On est à la suite du tournage de l'intro de Patreon. On tourne Frank dans un kayak. Il est encore avec son One Piece. Je mets mon speedo. Là, t'enfiles ça comme ça. Là, dans les poches, t'as des trous pour aller chercher ton maillot. C'est vraiment une putain de tuerie. And... Ah, moi, je veux pas voir. Bon, on amène mon canot. Je suis un crieur chasseur, hein. Calisse que t'as pas de cul, man. J'ai une extension de dos. Comment ça t'as pas de cul de même, Frank? Cause... I'm a drip, papa. Ouais, Frank. Hey, ça va être beau, toi, prends un break. Ok. Il y a une coupe. Le fille qui disait, hey, c'est GMT. T'es un peu moins à l'aise maintenant. Non. Pretty good. Ah, t'as parlé. Fait que là, on fait une shot de bêche. Tantôt, ils nous ont dit qu'on avait pas le droit de se baigner pour pas salir l'eau. C'est d'eau, je pense, pour la ville. Ça goûte les couilles à Frank. À cause de on est désolé d'avance, ça goûte les couilles à Frank. Attachez votre jackstrap avec la broche parce que prends un break, débarque sur Patreon. Ben non, c'est bien mieux que ça. Au lieu de vous montrer mon petit bat, moi, vous donner du contenu exclusif. Yeah! Pour moi, prendre un break, c'est de prendre le temps de vivre le plein de... Ah! Ouais, ben l'arrêt a été pas pire en tabarnak, me suis fait une piscine en roll canon, mon coco. Tu sais que j'ai plus de bien en face un peu? Bon, c'est bien. Grosso modo, là, on vous promet un show complètement. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait chier, c'était vrai.